Et pour finir sur, comment dire, les fils et les fils qui peuvent être aussi des angles sur l'actualité qui qu'on tire dans la maison d'édition, il y a la question du sensible qu'on voit dans Les Larmes de Rome. Qu'on voit dans le livre de Martin de la Soudière dont j'ai parlé, Arpenter le paysage. Et il y a cette question aussi de pluridisciplinarité dont on a déjà parlé et je voulais quand même enfin, vous montrer parce que on est non seulement enfin, très fiers. L'année dernière, on a eu en cette année si particulière. Où on allait publier moins de titres que prévu, donc avoir, comme pour tout le monde, année difficile économiquement. Et il se trouve que l'un de nos livres a reçu le prix Femina Essai, qui est un livre de Christophe Granger, et qui s'appelle Joseph Cabri sous les possibilités d'une vie 1780-1822. J'en parle parce que, bon. Là, évidemment, c'est un personnage donc, qui a vécu à la fin du 18e et au début du 19e, qui a eu une vie extraordinaire. Je fais très court sur son parcours. C'est un jeune homme, enfin, il est né à Bordeaux, donc à la fin du 18e. Il s'est retrouvé prisonnier des Anglais, donc en Angleterre. Il a choisi du coup d'être embarqué sur un baleinier anglais, baleinier qui est allé dans le Pacifique. Et une fois le baleinier au large des Marquises, Joseph Cabris a choisi de déserter. Donc ils étaient deux à se partir du navire. Et il est allé sur une île des Marquises qui s'appelle Nuku'iwa. Et là, sur place, il s'est totalement intégré à la population, il est devenu un guerrier redoutable, il a appris la langue, il s'est marié, il a été tatoué, alors pas totalement intégralement, puisque ça leur prend toute la vie, au Nuku'ivien, mais de la tête aux pieds. En fait, c'est. À Nuku'iwa, il y a cette pratique du tatouage qui va, y compris sur le visage. Et bref, 7-8 ans plus tard, une expédition scientifique russe passe par là. Les Russes étaient en fait assez en retard sur leur exploration scientifique du monde. Et les Russes, il leur sert un peu d'interprète, et plus ou moins contre son gré, là les versions divergent, les Russes l'embarquent sur le navire avec eux. Et sur le navire avec les Russes, petit à petit, il commence à comprendre que son corps, et donc sa vie, là, son statut de sauvage, enfin d'homme venu de la civilisation devenue sauvage, est un faire-valoir. Il commence à apprendre à raconter sa vie. Donc il se retrouve en Russie, d'abord au Kamtchatka, il traverse la Russie, il devient professeur de natation à l'école des cadets de Kronstadt. Et puis il finit par rentrer en France parce que les guerres napoléoniennes sont finies. Il est d'abord reçu à la cour, et là il gagne sa vie en racontant la sienne, alors auprès de l'élite parisienne au départ, puis après c'est un peu la dégringolade dans les foires, et il meurt à Valenciennes, justement dans une foire de troisième zone. Donc le bonhomme a eu une vie hors du commun. Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche de Christophe Granger, qui, c'est comme ça qu'il l'appelle, dit qu'il a écrit une biographie sociologique, en fait, à travers tout ce parcours. Et alors, tout ce qu'on découvre, c'est évidemment très exotique. Ce qui l'a intéressé, lui, en tant qu'historien, enfin, ce qu'il taraudait depuis des années, c'est. Je parle de plein de gens qui ont vécu dans le passé en groupe, mais est-ce que j'ai pu rendre compte complètement d'une vie? Enfin,
une vie, une seule. Donc c'est ce qui l'a guidé dans ce projet-là qui est devenu livre et ces 15 ans de sa vie à lui, où il a vécu avec Cabris, où il a tourné, multiplié les lectures d'archives, tourné aussi autour de la question de la forme qu'il allait adopter pour en parler. Et ce qui l'intéresse, biographie sociologique, pourquoi ? Parce qu'il part des faits et ce qui l'intéresse, c'est comment Cabris s'intègre ou pas. Cabris, qu'est-ce qu'il recycle comme compétence acquise auparavant, consciemment ou non, pour devenir presque un noukouivien. Donc qu'est-ce qui fait que dans des moments de changement de vie, quelles options on choisit ? Donc c'est assez vertigineux quand on a fini la lecture, parce que ça interroge beaucoup sur soi, sur des moments où on change de monde, où on change d'univers, que ce soit social ou géographique, ou voilà, ça interroge sur les ruptures. Et l'image qu'emploie Christophe Granger, c'est que il a voulu prendre cette vie, et c'est comme ça que le récit est construit. Enfin, il y a des très grandes parties, mais après, il n'y a pas de titre de chapitre, il y a des numéros. C'est un peu comme les... vous savez, le jeu des points, enfin, des numéros, vous avez des numéros, et puis on doit relier le 1 au 2, le 3, et à la fin, ça donne une forme. C'est la démarche qu'il a adoptée. Et la question qui s'est posée pour lui, et là, moi, je suis très heureuse que ce soit cette forme-là, c'est... Il aurait pu aussi faire un roman de la vie de Cabris. Il aurait pu faire, d'ailleurs, il y pensait, une bande dessinée. Enfin, d'ailleurs, rien n'est un peu... C'est encore possible. Mais là, il a choisi cette forme-là. C'est presque... Je sais que certains... On lui a posé la question. Est-ce que cette méthode qu'il a utilisée, là... presque sociologique, est-ce qu'elle serait reproductible, est-ce qu'on pourrait sur d'autres individus, c'est un travail énorme. Et ce qui nous a fait, nous, très plaisir avec ce féminin essai, c'était évidemment la visibilité que ça a donné à la maison, mais aussi que ce soit cet auteur-là, qui est moi un partenaire intellectuel, éditorial depuis... plus de 15 ans, parce que j'avais édité son premier livre chez Autrement, donc c'est aussi c'est ça aussi la relation auteur-éditeur, c'est du long terme. Que ce soit ce livre-là qui certes par son sujet peut intéresser tout un tas de lecteurs, mais qui a aussi en lui une forme d'exigence intellectuelle et de démarche scientifique. Donc c'était important que ce soit ça qui soit souligné aussi, parce que ça fait partie aussi du projet de la maison. Donc voilà, oui, non, c'est... Enfin, voilà, je voulais quand même que vous ayez aussi ce livre-là... en tête, parce qu'il est très important pour notre catalogue. Et puis sur Anna Moza, ouais, pour rester quand même sur les questions de société et qu'on ait le temps d'échanger, oui, moi là, j'ai fini à peu près le panorama. La maison n'a que 5 ans, donc aussi on a des livres qui deviennent du fond, mais ça se construit aussi progressivement. Et selon vos questions, il y avait aussi... Enfin, moi, je m'étais noté d'autres sujets. Donc, à vous de voir, il y a aussi des choses qui se renouvellent au niveau des revues. Revues qui traitent de sujets de société et qui sont à la frontière des sciences sociales et de plus grands... Enfin, d'ouverture au grand public. Donc ça, on peut peut-être en parler.
l'effet, j'avais noté ça, j'avais noté si ça vous intéresse, en fait, ben là, ce qui se passe dans le monde des éditeurs indépendants, en fait, depuis notamment post-Covid, l'interprofession, la question de la ou, question après ou diffusion, comment dire, cuisine intérieure, si vous voulez. Et puis, bah oui, trois, quatre titres que je m'étais notés là qui sont sur la question justement de l'édition en France et de l'édition indépendante, si vous voulez des références. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que vous voulez aborder prioritairement ou des questions.